Roy, c'est le policier le plus connu de Belgique, le plus connu du pays. On peut suivre notamment ses interventions à la télévision belge et il envoie passer des vertes et des pas mûres, hein, comme cette bonne dame qui est, je vous le dis, complètement pétée. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais là on est loin et on va lui demander à cette bonne dame, faut bien souffler, hein, s'il vous plaît. On a dit bien souffler. Je vous invite à souffler d'un souffle continu. Voilà. Touchez pas l'appareil, je m'en cherche. Prenez-le. Non, alors, on prend en bouche, on souffle. Attendez. Faudra le prendre en bouche et souffler. Faut pas me le mordre et. Ça va être compliqué. Allez, s'il vous plaît. Allons, souffle. Allez. Pas de coronavirus. Justement, donc faut faire ça comme il faut. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Quand même, faut être debout. Hein. C'est pour être assis, c'est assis. Vous aurez les assises dans l'autre sens. Hein. Comme on dit en Belgique, on est cotombé sur une éoirée. Hein. Non, mais bon, pourquoi faire souffler cette dame qui, visiblement, va faire exploser les scores? Il faut une preuve. Mais Madame, il faut souffler, il ne faut pas aspirer, c'est pas une paille. Hein. C'est pas un cocktail. Plus qu'elle passe. Tu vois, comme si elle buvait le truc. Et alors, il s'en sort? Eh ben, justement, on est au début de la chronique, attention. Vous allez prendre l'embout correctement en bouche. On y va, on souffle. Allez. Fort. Encore, comme ça, on continue. Non. Il n'y arrivera jamais. Le souffle doit être plus long et continu. D'accord? Quand t'es bourré, c'est impossible. Ça, hein, faut souffler encore. Je vais manger des stops. Tant que je ne dis pas stop, on n'arrête pas. On y va, on souffle. Il n'y a rien qui sort, là, il n'y a pas de souffle. Ben, j'en peux pas! Ah si, laissez-vous, c'est révoltant. Elle est dans un état. Allez, on y va. On ouvre bien la bouche, on le prend et on souffle. Bon, déjà, la voiture, tu l'embarques. Oui. Encore. Non. Faites-le comme il faut ou on n'en parle pas. C'est la putain. Et alors, on va faire simple. Moi, au débit, je dis 2,5. Moi. Ah bah oui. On peut faire des pronostics ou pas? On a le résultat à la fin ou pas? Dis-moi. On a le résultat dans 30 secondes. Moi, je dirais 2,3 g. Ouais, ça dépend. Allez, à quel âge cette dame? À 2,3 g, bah, tu sais, moi, je calcule pas en truc. Il y a le sang et l'air. Moi, ouais, c'est ça. Dans le. Qui fait double, là. Dans le truc du haut, tu dis? Oui. Le truc du haut. Ça fait la moitié, ça fait un 25. 2 grammes, c'est chaud, hein. Allez, l'état dans lequel elle est, c'est pas non plus de 2 grammes, c'est une mamie, ça a l'air d'être une mamie. À 2 grammes, c'est pas possible. Et moi, c'est pas qu'une mamie, il y a plein de mamies qui nous écoutent, qui font pas des. C'est une mamie qui a fini les verres à table. Si moi qu'elle a 27 ans, je serais mort de rire. Koé, avant le résultat, on a encore un petit. Vas-y. Encore. Dès qu'elle est morte. Non. Allez, moi je sais pas faire de miracle. Hein. Je regrette, je n'irai pas à l'hôpital. Je n'ai pas le coronavirus. Ben, c'est parce qu'on va à l'hôpital qu'on va avoir le coronavirus. Hein. Je te comprends. Oui, mais c'est bien de me comprendre, mais c'est encore mieux de le faire. Moi, je vais pas à l'hôpital. Je rentre chez moi. Voiture. Non, ça peut pas être possible. Pas qui conduit. Tu vas mettre dans le coronavirus et je vais attraper le coronavirus. Allez, vous voulez le résultat ou pas? Moi, je dis 1,7 g. Moi, je suis à 1,9 g. Je suis à 2, plus de 2. Allez, on écoute. On souffle encore une dernière fois. Et après. Bien. Encore. Non, allez, c'est bon. Tu vas essayer? Non, dis pas que j'ai le coronavirus, hein. Mais j'ai pas dit que c'est pas un test de coronavirus, là, ça. C'est bon. Voilà. 1 g, tout pile. Ah, tu vois? Oui. 1 g, mais frère, 1 g, c'est énorme. C'est 4 fois ou 5 fois la limite légale. C'est trop. Ouais, je la mettais à 2, moi. Excusez-moi. Mais 2 grammes, t'es en coma éthylique, hein. Voilà. Chez vous, en Bretagne? Chez nous... Tous les ans, et d'ailleurs, faut voir ça, tous les ans, records, c'est les gars du Finistère qui battent leur record. Ils sont bons là-bas. Oui, oui. Si c'est 1 g sur la machine à air, c'est 2 g dans le sang. Ça veut dire 2 g dans le sang. C'est ce que j'ai dit. T'as raison. Toi, tu cherches 1 g quoi, dans l'air. Je disais la version la plus haute, j'avais oublié. Ah, ok. 1 g dans l'air, c'est ça. C'est 2 g dans le sang. Merci de bien jouer. J'ai entendu le débit. J'avais dit 2-2, j'avais dit 1-9, donc c'est moi le plus près. Quand tu commences à faire coronavirus, quand un coronavirus, tu oublies le C que ça devient coronavirus, c'est 2 grammes. D'accord. C'est Koé, 15h-20h sur Énergie.